Salut à tous, c'est Alex Cho, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer et vous aider à réaliser la course contre la montre de cette semaine. Voilà le chemin à prendre, mettez le GPS comme moi avant de commencer la course. Pour cette semaine, il n'y aura pas de raccourci à prendre, il faudra simplement suivre le GPS, rien de plus simple, vous verrez, c'est largement faisable. Le temps à battre est de 2 minutes et 58 secondes, elle est quand même plus longue. Par rapport à d'habitude, il faudra donc rester quand même beaucoup concentré parce que, comme j'ai dit, elle est longue. Et en plus de ça, quasiment la moitié de la course est un chemin de terre où il y a beaucoup, beaucoup de tournants et beaucoup d'endroits où vous serez susceptible de tomber. Vous verrez de toute manière pendant la vidéo. Alors, je vous conseille vivement de la faire en moto parce qu'en voiture, ça sera quasiment pas possible. Je sais pas si c'est possible. Dites-le en commentaire si vous la réussissez. En voiture, je vous conseille comme chaque semaine soit la Châteauroux comme moi qui est la meilleure moto pour ce genre de course, ou alors la Kutchudrag pour ceux qui préfèrent. La Bati 801 aussi pourrait faire l'affaire, et les trois motos en full custom bien évidemment. Et si jamais vous voulez la tester en voiture, prenez soit la Paria, l'Italie GTO, l'Italie RSX, la Devastate. Après, il y a également la Pfister 811, mais elle n'est pas maniable et elle dérape hyper vite, et pour cette course à éviter. Au chemin de terre, vous rencontrerez normalement pas de véhicule de PNJ, donc ça va. Mais sur la route normale, oui, donc faites attention à ça, bien entendu. Sur le chemin de terre, faites vraiment attention parce qu'il y a plusieurs petites bosses. Il faudra quand même ralentir un peu, sinon vous avez beaucoup, beaucoup de chances de tomber, ce qui vous amène à recommencer. Ne vous en faites pas, vous pourrez recommencer la course autant de fois que vous le souhaitez jusqu'à battre le temps et récupérer donc 100 000 $ de récompense, mais vous pourrez les avoir qu'une seule fois. J'espère que mes conseils vous aideront. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le like en plus pour le référencement, ce qui permettra d'aider le plus de personnes possible. Pour ne rater aucune de mes vidéos, conseils, astuces, nouveautés qui arrivent, je vous invite à vous abonner en activant la cloche des notifications. Je vous souhaite bonne chance pour cette course contre la montre et empocher les 100 000 $. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à une prochaine pour de nouvelles vidéos. Bon jeu à tous, prenez soin de vous. Ciao, ciao.